Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum. Prenez place, on va commencer notre session Middays. Donc on va attendre quelques minutes avant de commencer. En tout cas, marhaba bikoum, mtahchmouch, vous êtes les bienvenus. Ça va être très intéressant. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session de Middays, développement du football en Afrique, investissement, croissance et progrès économique. Tout d'abord, je souhaite remercier le président d'Amadeus, M. Brahim Fassi Ferré, pour son invitation et l'excellente organisation du Middays. Et aujourd'hui, nous nous pencherons sur les multiples facettes qui ont contribué du football, non seulement un sport, mais aussi un moteur de croissance économique sur le continent africain. On va parler des investissements massifs dans les infrastructures sportives, aux opportunités d'emploi créées, en passant par les compétitions qui ont captivé le monde entier. Je pense notamment à l'African Football League dernièrement. Nous explorons le football en Afrique qui a transcendé les limites du terrain. Et oui, ce n'est plus un jeu, mais ça dépasse le cadre du sport pour devenir un catalyseur du progrès économique. Et nous aurons le privilège d'entendre des experts et des acteurs clés pour partager leurs visions et leurs expériences sur la manière dont ce sport emblématique a façonné et continue de façonner le paysage économique africain. Et nous avons l'honneur de recevoir Son Excellence, M. Raphaël Tuju, ancien ministre des Affaires étrangères du Kenya, qui se trouve à ma gauche, Son Excellence Mohamed Abdirazak, ancien ministre des Affaires étrangères de Somalie, Son Excellence M. Mamadi Touré, qui est mon voisin juste à gauche, ancien ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Nous avons, pour représenter la gente féminine, Mme Aïcha Johansen, membre du FIFA Council et ancienne présidente de la Fédération de Sierra Leone. Et enfin, M. Lazare Bansé, président de la Fédération du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, préparez-vous à plonger dans le monde du football où chaque but marque une victoire sur le terrain, mais aussi un pas de plus vers un avenir prometteur pour le continent africain. Sans plus tarder, lançons cette discussion enrichissante sur le football et son rôle dans la croissance économique de l'Afrique. Mais avant toute chose, je souhaiterais revenir sur les débuts et les moments clés de la dynamique incroyable du football marocain, si vous permettez, et sur la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'était aux Assises de Sreras en 2008, où Sa Majesté a remis le sport au cœur des priorités du pays et a encouragé les jeunes Marocains à s'y investir. Puis il y a une autre date que je retiendrai, c'est en 2017, où Sa Majesté le roi a souhaité une collaboration sud-sud et une plus grande application sur le continent africain. D'ailleurs, je vous donne une information très importante. Sur 54 pays en Afrique, le Maroc a aujourd'hui signé plus de 40 partenariats grâce à l'excellent travail de la Fédération royale marocaine de football avec M. Fawzi Lkja et toute son équipe présente ici au Middays. Sachez que pour l'anecdote, que le premier partenariat signé par le Maroc était avec la Sierra Leone en 2016. Et ça tombe très bien. Nous avons en notre présence l'ancienne présidente de la Fédération de Sierra Leone, Mme Aïcha Johansen, première femme à être présidente d'une fédération de football. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Aïcha Johansen. Aïcha, first of all, I'm very happy to receive you. You know why? Because when I was young, my first jersey was Inter Milan jersey with Mohamed Kallon. Really, I have a photo, I will show it for you. You know, yesterday, when we prepared the conference, we speak a lot, but you said an interesting sentence, the humble ask how we can help each other. I repeat, the humble ask how we can help each other. You speak about Moroccan Federation. I really love it. Can you explain it for us, please? Thank you. Yes, and first of all, with Mohamed Kallon, I've known Mohamed since
I was actually at college, at school, and I, maybe now I'm old enough to say that I used to Skype classes just to jump on the train, the Eurostar, to go to Italy to watch and play at Inter Milan, and miss my classes on Monday because I used to go and watch a young brother play. But yes, we were talking about what has become now one of the biggest partnerships in the African continent between Morocco and more or less the rest of Africa. And yes, the first signing of that MOU, that cooperation, was with Sierra Leone and Morocco, and I'm very happy and proud to say that that was me signing that. Fawzi, or Morocco, because he didn't come as Fawzi, he came as Morocco. And it was his humility. He was so humble, almost even begging to say, you know, come with us. What can we do together? Now, here is a situation, and we're talking as far back now as 2016, between your king, your federation, the people of Morocco, the passion that they have for football, the passion we all have for football in the African continent. You had the resources, you still have the resources, more than all, well, most, if not all, of these federations, maybe with the exception of, you know, Nigeria, South Africa, but still your infrastructures were there. But there was a lot you guys were lacking in terms of what we call the natural skills, the ability, the agility. There were things that you had lacking, but you had your infrastructures. So he came and he said, look, why don't we have an idea, we have a vision, but the vision isn't just for Morocco. This vision goes beyond Morocco. It's for Africa. Look, today we may have more money than you, but you've got things that we want. And why can't we form this partnership together? And so that's how it started. And I visited, I came, he showed me your technical facilities. And like I said, but your women's team, for instance, was virtually non-existent. I mean, Sierra Leone, we had a better, stronger team, starting from our under-17s, so, you know, you didn't have. And so we actually started to trade. We traded, you know, well, not trade, but we had this partnership where our girls would come here. We had the first female CAF instructor in Africa, Sierra Leone, and she was going to come here to train. So, I mean, what we see now, the enormous growth that you have, the level that you've put Africa in terms of football, it all stems from these humble beginnings and partnerships. So again, I want to use this opportunity to thank your king for the vision, but especially to thank Fawzi. He's just been a phenomenal strength for all of us in the African continent. So do extend my thanks to him. Thank you so much. Je vais passer à Monsieur Lazare Bansé, président de la Fédération du Burkina Faso. Il y a votre capitaine Issouf Dayo, qui est un ami, qui va être content. Pas besoin de le pistonner, il est déjà capitaine. Donc, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir, comme on est très heureux d'accueillir à chaque fois les étalons au Maroc. D'ailleurs, vous jouez bientôt cette semaine. Je vais être très, très direct dans ma question. Le Burkina Faso joue tous ses matchs au Maroc. Pouvez-vous nous parler tout simplement de cette coopération entre la fédération burkinabèse et la fédération marocaine et comment s'organise-t-elle concrètement? Oui, merci. Je voudrais donc, avant donc de prendre la parole, remercier les organisateurs de ce forum de nous avoir invités pour participer donc à ces journées à Tanger. Nous avons d'excellentes relations avec la Fédération royale marocaine de football et le président que je suis aussi a des relations très amicales avec le président Fouzi
pour lequel nous avons une grande amitié, une grande admiration pour le travail qu'il effectue ici au Maroc. Et nous voyons déjà les résultats au niveau du football marocain. Et nous avons été, en tant qu'Africains, en tout cas, heureux de partager la joie du peuple marocain parce que l'équipe du Maroc a été la première équipe africaine à accéder aux demi-finales. Je pense que c'est une fierté pour le Maroc, mais c'est également une grande fierté pour tous les Africains. Et nous avons beaucoup d'admiration pour l'équipe du Maroc. Nous avons aussi une grande amitié, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la Fédération royale marocaine de football. Cela dit, en tant que fédération, nous avons coopération étroite qui a été matérialisée donc par un accord de coopération avec la Fédération royale du Maroc. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas de stade homologué parce que vous savez que la CAF et la FIFA ont revu donc les standards des stades. Donc notre stade actuellement est en cours de travaux, en rénovation. Donc dans cette période, effectivement, la Fédération royale marocaine nous a ouvert ses portes et nous jouons régulièrement nos matchs ici au Maroc, notamment à Marrakech. Et je peux dire que depuis que nous jouons au Maroc, nous n'avons perdu aucun match. Nous sommes certainement à notre 15e ou 18e match au Maroc. Nous n'avons perdu aucun match ici au Maroc. Donc ça veut dire que nous sommes chez nous et nous avons tout le soutien du peuple marocain lorsque nous jouons. Donc en dehors de ces infrastructures donc, qui sont mises à notre disposition, nous avons également des projets de formation. Nous avons des arbitres qui sont formés ici. Nous avons également, en dehors des arbitres, nous avons des projets de formation aussi avec des entraîneurs donc, qui se forment ici. Et tout récemment, nous avons bénéficié de la réfection de la pelouse d'une de nos villes, d'un terrain à l'intérieur du pays, notamment le stade de Zinaré, donc, qui a bénéficié donc, d'une pelouse synthétique donc, financée par la Fédération royale marocaine de football. Nous avons également en cours, dans le cadre de la rénovation du stade, donc, nous avons bénéficié de l'assistance technique du Maroc, donc, qui a envoyé une équipe donc, pour évaluer les aspects techniques et financiers donc, de la pelouse qui sera rénovée, parce que le Maroc a une grande expertise en la matière. Et nous avons également un projet d'éclairage d'un de nos stades à l'intérieur du pays, notamment à Bobo-Dioulasso. Donc, bref, nous avons une coopération qui est très intéressante. Et dans le même cadre, nous jouons aussi régulièrement des matchs amicaux avec le Maroc, notamment l'équipe première. Récemment, nous avons joué un match à Lens, en France, un stade qui a été plein, un stade de 45 000 places, donc qui a... en tout cas, qui nous a permis de jouer ce match. Il y a également les petites catégories, notamment les U17, qui participent actuellement donc à la Coupe du Monde. Je parle donc du Burkina Faso, en Indonésie. Et c'est ici que nous avons fait notre préparation avant d'y aller. Il y a également les équipes féminines qui jouent régulièrement ici, dans le cadre d'une coopération, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bref, nous avons un ensemble de projets avec la Fédération royale marocaine. Et ce n'est pas seulement le Burkina Faso, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est toute l'Afrique subsaharienne, une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, donc, qui se retrouve dans cette coopération avec la Fédération royale marocaine de football. Et je pense que cela procède de la vision du président donc, de la Fédération, le président Fouzi, donc, qui a compris que les deux entités pouvaient travailler ensemble pour le développement du football en Afrique. Et en gros, nous avons également, avant d'aller, donc, afin de défendre, si vous voulez, le développement de l'Afrique, nous avons en matière de football, nous avons des positions communes avec la Fédération royale marocaine. Donc tout ça dans le cadre du développement du football en Afrique. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant, donc, dans le cadre donc, de cette coopération, donc, qui nous satisfait très grandement. Merci pour ces explications. En tout cas, vous êtes chez vous, vous êtes invincible.
Il suffit juste de vous qualifier pour la prochaine CAN et peut-être vous allez la gagner, vu que ce sera au Maroc. Je vais demander à tous les speakers, lorsque vous intervenez, d'enlever le casque pour une meilleure audition. Je vais m'adresser à Son Excellence Monsieur Raphaël Toujeau, où je vais plutôt parler maintenant des investissements et des infrastructures. Vous m'entendez ? Ouais. Je vais parler des investissements et des infrastructures. Avant de vous poser une question, on sait tous que le développement du foot en Afrique a été stimulé par d'importants investissements dans la construction et la modernisation d'infrastructures sportives. On pense notamment en Europe à des complexes comme le Santiago Bernabéu, à Madrid, à Barcelone avec le New Camp, mais aussi nous on connaîtra ça au Maroc en 2030 avec le nouveau stade de Casablanca de 110 000 personnes à Ben Slimane où il y aura tout plein, un complexe hôtelier, un centre commercial, etc. Moi, ma question est celle-ci. Comment les investissements dans les infrastructures sportives ont-ils contribué à l'essor du football en Afrique? Thank you. First, I would not talk as an expert in football, but given my job as a former foreign minister and being a person who ran a parliamentary constituency, I